Et salut les amis, c'est VTT avec Auvergnat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite sortie entraînement. On est tout seul, on va continuer des petites sorties dans les alentours par rapport au confinement. En espérant qu'ils nous lâchent un petit peu maintenant, parce que là, à force de tourner en rond, ça commence à devenir compliqué pour vous faire des vidéos. Alors aujourd'hui, on va aller s'entraîner sur mes terrains habituels, dans les bois noirs. On va essayer d'aller taper un peu des chronos et on va voir ça. Voilà, installe-toi et puis j'espère que cette vidéo te plaira. Allez, c'est parti! Allez, on est parti. Première descente à côté de la maison. Une descente assez technique avec pas mal de feuilles, de racines et de cailloux. Superbe descente pour s'entraîner, pour commencer, s'échauffer, chauffer les plaquettes, chauffer le bonhomme. Racine. Décrochage méchant. Voilà, là je perds l'avant sur le freinage, je prends trop fort du frein avant, je dérape sur une racine, mais du coup pas de bobo, tout se passe bien, on est reparti gentiment. Termine tranquillement. Belle descente ici. Voilà. T'as qu'à vérifier ton matériel avant de partir. Bien joué. Ça te fait du bien. Ok, on repart. Oh, Canou, je t'entends dans ton canapé dire ça y est, lui aussi il crève. Je sais pas du tout si c'est une crevaison ou pas, je sais pas. Mais non, c'est une crevaison lente. Mais là, ça a bien claqué. Toi, Canou, la dernière fois, tu as crevé parce que tu as surgonflé 5 barres dans des pneus de vélo VTT, ça marche pas. Il nous a mis les chasseurs devant. Ne tirez pas, je suis qu'un vélo. Regardez bien la taille des chiens. Et bonjour. Oui. Mais ils sont où? C'est les poneys. Des demi-poneys, des demi-poneys. Attention. Et j'ai Snoopy qui me court derrière là. Et... Le petit sabot. Le petit coup de pied dans le vent. C'est bien joué par ça endroit. Motive à rouler. Baisse la tête. Oh, l'eau est pas chaude du tout là. Oui, tu con, on est au mois de novembre. Lit de rivière sympathique ici. Oh ta race, putain. J'y arriverai un jour, j'y arriverai. C'est bien.
heureux. Les freins sont chauds. Là, ils aiment pas bien, c'est le caillou tranchant là. Je cherche pas d'excuses, t'as pas vérifié le matériel avant de partir. Du coup, première zone rentre, ça te fait chier toute la sortie, mais c'est comme ça. Petite montée avec Pierre, ça là. Ça se confirme, je pense que c'est une crevaison lente. Du coup, fait chier, j'ai la flemme d'y réparer. Comme ça, un petit tour. On s'arrêtera, on refroidira et puis on partira. Et on réparera ça comme il faut à l'atelier. Alors sur le petit tour, il a fallu que je m'arrête 5 fois pour regonfler. La décision de ne pas m'arrêter et de rouler comme ça, bah, c'était pas maintenant, le top. Montée technique. Voilà, une belle petite montée technique avec pas mal de cailloux, de sable, de racines. Une montée à 12%. Avec un beau petit dévers. Ça va, un petit dévers là. Mets les mains sur le guidon, tu vas te casser la gueule. Écoutez bien un peu la respiration, on dirait un asthmatique qui n'a plus d'air du tout. J'en chie. PLS le gars, tu vois la montée là-haut. C'est bientôt la fin. Bon, bah, tu comprendras que cette sortie d'entraînement, ben, c'est un peu le bordel. Hein. Cette crevaison lente, là, j'arrive pas à m'arrêter pour gonfler, ça me fait chier. Mais j'ai envie de réparer. Alors, ça va, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Merde. Putain, c'est un bon ça. Là, c'est la première fois que les Michelins jouent un mauvais tour comme ça. Je suis parti sous-gonfler tout à l'heure. Alors je pense que c'est ça sur la première descente là. J'ai dû passer la chambre parce que oui je sais en commentaire vous allez me pourrir, mais je roule en chambre à air. Je passerai au tubeless plus tard. Vas-y Jean-Kevin, mets-toi sur ton clavier et tu devrais passer en tubeless. Des super commentaires. Il faut que je passe en tubeless. Des montées avec là, ça des va taper. Caillouteuses. Il va y avoir du caillou. Ouais. Petite montée technique qui arrive. On commence à se coucher le soleil. Bien sûr, comme d'habitude, pas de lampe sur moi. Bravo. C'est pas comme si on avait fait il y a quelques mois en arrière une présentation d'une lampe arrière sur la chaîne. Cachés. Belle petite descente sympathique.
couillasse aujourd'hui. On va pouvoir nettoyer le vélo. Là, c'est quand tu te oublies de tomber tes vitesses et que tu te retrouves comme un con dans une montée. C'est un magnifique parcours d'entraînement ici en plus. On est vraiment bien là. Pas un peu. Un beau soleil là. Ah, on est dans les bois noirs, on voyait rien tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, une sortie entraînement avec une petite galère sur une crevaison lente qui me fait plus chier pour l'instant. Du coup je vais régler ça à l'atelier. On va essayer de voir si on fait pas des vidéos maintenant à la quinzaine, si on nous déconfine pas, parce que ça devient trop compliqué pour vous sortir du contenu. Prends soin de toi, essaye de faire du sport si tu peux, et puis je te dis à la prochaine, et n'oublie pas de partager ma chaîne et de t'abonner. Salut!